Et bonjour tout le monde, ici Atlan et on se retrouve sur la suite de RimWorld. Donc, oula, il commence à stocker, on a trop de houblon. Il y a trop de houblon. Il va falloir en vendre un peu. Mais c'est pas grave. Donc, on se retrouve sur la suite de RimWorld pour... salut toi. Voilà, pour la suite de RimWorld. Voilà, toujours malade, donc le cerveau travaille un peu au ralenti. Hein, donc, ne vous faites pas attention à ça. où est-ce qu'on était? On était en train de... Alors, je viens de pourtant faire une pause que de 1 minute entre les deux épisodes. Et je savais, et j'ai déjà oublié ce que j'étais en train de faire. Hein. Et comme quoi, là, le cerveau, il va pas. Donc, on est en train de remplacer nos murs de notre base par des murs. Donc, nos murs de bois par des murs en granit. Hein. Donc, voilà, histoire de renforcer la base. Donc on va faire ça hein, sur tous les murs, on commence par les contours et puis on fera, ensuite on continuera. Ah grossiste, on commence par les contours et ensuite glace, viens ici. Glace, voilà, appelle le grossiste. Ouais, voilà, vous m'avez compris, on fait les contours et ensuite on fera l'intérieur. Hein, donc, quoique, non, l'intérieur aussi on fera en pierre. Alors qu'est-ce qu'on va vendre? Déjà on va faire du fric, vend la bière. On vend la bière et on va vendre un peu de houblon. Alors le bois. Tout ça. Ça c'est du bois. C'est parce que ça doit être du bois qui a perdu 1 ou 2%, quelque chose comme ça. Donc voilà, on le vend. Malgré que là, celui-là, il est au même prix de vente. Hein, mais c'est pas grave, on le vend. Ça fait de l'argent, j'en ai 1400, donc ça va. Hein. De l'acier, j'en ai pas besoin. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux... bloc de granit, non, on va surtout pas le vendre, c'est ce qu'on utilise. Le cuir, allez, vends-moi le cuir de biche, le cuir de sanglier, le cuir d'écureuil aussi. Ensuite, houblon, alors là, wow, purée, 150, ça c'est le houblon qui traînait au sol, hein, qui traînait dehors, hein, donc on va vendre. Ce houblon de mauvaise qualité. D'ailleurs, on va vendre tout. Allez, hop. On va vendre tout. Voilà. Allez. Alors, le système de vente hein, dans la prochaine version est quand même mieux foutu que là, celui-là. Hein. Donc, et là, on va s'en garder quand même juste 1000. Donc, on va en vendre. On va en vendre 1000. Voilà, 1003. Voilà. Et ça nous rapportera 1500 quand même, hein. Vous voyez comment on se fait de l'argent. Ensuite, les pommes de terre, ouais, bah j'en ai 75 de moi, mais qualité un peu... Allez, plat, on va commencer peut-être à leur faire manger un peu mieux. Qu'est-ce que j'ai encore à vendre? La viande, non, on garde, hein, tout ça on garde. Allez, on accepte. Alors, d'ailleurs, voilà, j'avais dit, donc, niveau cuisine. Alors, le cuistot, tu vas commencer à me faire... On va donner des plats raffinés maintenant à nos colons. Alors, on va faire jusqu'à en avoir. Pareil, 30. Et tout doucement, on vendra nos plats simples. Parce que ça. Combien ils voulaient acheter mes plats simples? Le grossiste, il est toujours là. Montre-moi juste combien qu'il achète les plats simples. Plat simple, ouais, 5 dollars quand même. Hein. Tiens, on va leur faire de la nourriture. On va leur faire de la nourriture. Et d'ailleurs, on vend déjà cela. Et par contre, au niveau de notre tâche, toi, tu me mets les plats raffinés en premier. Hein. Tu me fais d'abord les plats raffinés pour nous. D'abord, nous, on mange bien. Et ensuite, on fait la nourriture qu'on va revendre. Là, par contre, les gars, j'ai cru voir du froid. Non, c'est parce qu'il est rentré dans le frigo. C'est parce qu'il était rentré dans le frigo. Pourquoi vous posez vos cow-boys, vos chapeaux au sol comme ça, n'importe où? Fournisseur militaire. Glace, qu'est-ce qu'on peut acheter? Le fournisseur militaire. Dis-moi. Veste renforcée, non, ça coûte un peu trop cher.
pistolet, allez, vends-moi le pistolet, le rasoir, vends-le. J'ai rien à acheter. On accepte. Dehors, il fait 1 degré. À l'intérieur, nous avons 15. Ici, nous avons 13 dans le couloir, donc ça va. Hein. Quoique, on devrait peut-être mettre dans le couloir un radiateur quand même, au cas où. 15 dans les chambres, 15, ok. 14, 15. Ça va. Les chambres, ils ont 15. Donc, ils ont pas froid. Il fait bon. On va mettre un petit... Ah, je devais faire les murs, hein. Je vous rappelle que je devais faire les murs, mais je suis en train de faire autre chose. Un petit radiateur. On va y mettre... où c'est qu'on va les mettre? Allez, un ici. Pas oublier de les mettre à 15 après. Donc, ouais. Le houblon, ici, forcément, il ne replante plus. Hein. Normalement, c'est de avril à septembre. Donc, comme on est en octobre, il ne replante plus. On va peut-être pouvoir relancer notre production ici. Alors, hop, reconnecte. Nourriture ici, on est bon, ça va. Donc c'est bon. Le chocolat, et les gars, vous avez le droit de le manger, hein. Je vous interdis pas. C'est comme vous voulez. Niveau parka, y en a encore qui n'ont pas de parka, et faut venir construire. On continue, nos murs. Alors ça, c'est quoi? C'est toujours des murs en bois. Et là, nous sommes déjà en granit. Alors... Et on continue. Le frigo, en plus, il fait froid dehors, donc c'est bon. On va pas risquer de casser la chaîne de froid. Est-ce que t'es bien réglé, toi, quand même? Ouais, moins 9. Allez, hop. Voilà. Et construis-moi. Fais-moi au moins ce petit mur là. Voilà. Ok, hop. Niveau énergie, comment on est, hein? Tant qu'on y est, on regarde toujours un peu. Ça va. Surtout que là c'est l'hiver, les jours sont moins longs, hein, donc forcément ça ne charge pas pareil qu'en été. Éruption solaire, et voilà, tout le matériel électrique ne fonctionne plus. Est-ce qu'on mettra... Ah, on met de la pierre partout. Et les visiteurs, là, franchement, et vous avez pas le droit de traverser comme ça ma base. Hein. Je vais pas être content, hein. Je vais pas être votre copain. Ici, c'est marrant, j'ai pas de mitraillette ici. J'en ai là. Ah oui, mais ouais, le périmètre, ouais, non, c'est bon. Hop. Voilà. Allez, c'est un peu long ça, hein, de faire les murs, mais voilà. Faut y aller petit à petit. Moi je veux pas avoir des cas où on se retrouve déjà sans mur et où on aurait des effondrements juste parce qu'on va trop vite, hein. Les gens qui meurent bêtement, ça arrive. Alors du coup, là, on fait quand même des plats donc raffinés, à savoir que ça utilise plus de nourriture. Hein. Donc ça nous utilise maintenant 5 et 5, 10, c'est tout. Je croyais que ça utilisait plus. 5, 10.
Tâche. Hop. Plat raffiné, 5 viandes et 5 végétaux. Et un plat simple, juste 10 aliments crus. D'accord. Donc les raffinés, ça demande de la viande quand même. Donc, ok. Donc il va falloir se commencer. Et les chasseurs, vous êtes où? Trouvez-moi des animaux. Des animaux, voilà. Et il nous faut de la viande maintenant. Donc de toute façon, comme on fait quand même encore des plats simples, donc il n'y a pas trop de soucis, hein. On ne sera pas à court de nourriture. Et pour les plats raffinés, il faut de la viande. Il faut d'office, en fait, toujours 10 de nourriture, mais 5 de viande et 5 végétaux. Donc, pas de problème. Là, ouais, et voilà. Vous voyez, on se disperse. Je veux faire ça petit à petit pour pas être sans mur. Et qu'est-ce qui se passe? J'oublie de construire les murs. Oula, un colon a besoin de soins. Toi. D'accord. Lui, il était pas content. T'as peut-être tué sa femelle, je sais pas. Ça. Vous me brûlez ce cadavre. Caca peut me. Je veux pas de cadavre ici d'animaux. Qui peut. D'ailleurs, incinérer. Est-ce que j'ai mis. Pour incinérer les cadavres d'animaux. Incinérateur. Tâche. Incinérer un corps. Ouais, j'ai pas mis carcasse d'animaux. Donc. Parce que les carcasses d'animal. J'ai peur qu'il m'incinère les animaux qu'il faut qu'on mange. On va faire une seconde tâche là pour être sûr. Ajouter une tâche. Incinérer un corps. Et pas cette fois-ci d'humanoïde, mais carcasse d'animaux. Alors. En dessous de 80%. Et en boucle. Tu me le fais en boucle. Voilà. Comme ça, on ne laissera pas pourrir les animaux et on ne laissera pas les cadavres d'animaux traîner. Là. Vous voyez, comme celui-là, par exemple. Ouais. Donc c'est à 95% quand c'est un squelette. Mais ouais. Et oh oh oh. Et ça, faut pas me le stocker ça ici. Non, 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 non. Non, non, et non. Ça, il y a un frigo pour la nourriture. Il y a un frigo. Alors. Pop, pop, pop. Cadavre, carcasse d'animal. Et vous devez mettre les carcasses d'animal dans le frigo. Qu'est-ce que vous me faites? C'est cette zone là qui a peut-être un problème. Je pas. Carcasse d'animal. Pop, 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 pop. Ouais. Pour les animaux qui sont à 100%. Voilà. On va dire 99% comme ça. Les animaux, les carcasses à 100% ont d'office là-bas. Allez. Et donc c'est ok. Voilà. Et hey, déplacez-moi ça. Non, parce que ça, là c'est l'hiver. Ça va, vous avez de la chance. Hein. Ça pourrit pas. C'est congelé. Mais non, ça doit aller au frigo, ça. Hein. Ça doit aller au frigo. Éruption solaire, voilà. Allez, tu me construis le mur. Allez. Boyer, hein. D'ailleurs, si Boyer, je le vois souvent seulement lui en train de construire, c'est que Boyer... C'est même pas un constructeur de priorité 1, hein. Non, même pas, hein. Donc, pourquoi les autres construisez pas? Ah, et où est-ce qu'on en est avec Milzo? J'ai pas surveillé son. Je n'ai pas surveillé son opération. Santé. Yes! Alors, la vue fragilisée toujours. T'as toujours une cataracte. Hein, mais la première opération s'est bien passée. Impeccable. Ton bras gauche, pareil, on changera. Le torse, là, je peux rien changer, par contre. Et tu picoles en plus.
Donc, dommage, on n'a pas vu l'opération. Alors. Ah, pourquoi? Si, normalement des parkas. Pourquoi fait toujours pas de parkas là? Ça, c'est quoi? C'est un parka. Séverin, tu fais quoi en général? Séverin. Tu es architecte, mais tu cuisines aussi. Et. Non, bah, c'est bon. Pas de soucis, sauf que tu peut-être tu fais à manger. Non, là c'est Jack. Hey, allez, Jack. Jack O'Neill me fait à manger. Alors, tu fais des bonnes choses. Hein. T'as intérêt à faire bien à manger. Hein. Ne va pas nous foutre, nous flanquer une. Comment qu'on appelle ça? Une intoxication alimentaire. Hein. Tu t'es lavé les mains au moins. Ils ont. Il y en a beaucoup qui n'ont pas leur parka. Hein. Séverin, qu'est-ce que tu fais en vrai? Séverin, t'es où? T'es en train de faire à manger? Ouais, parce que la priorité est sur la nourriture avant les vêtements. Alors, du coup, Séverin. Pourtant, Séverin. T'es un bon cuistot, hein, quand même. Jack O'Neill, il est à 9. Lui, il est à 7. Mais Séverin, je suis désolé. Tu feras en 3. Fais-moi les vêtements. T'es notre artisan quand même, fais-moi les vêtements. Squirrel aussi, lui, il peut faire, mais il est chasseur en premier. Donc c'est vrai, là tu me termines, tu me fais les vêtements. La colonie a besoin de toi. Capsule cargo, alors, de la viande. Tac, et puis, Ulta, toi je sais que tu construis. Alors, vas-y, transporte-moi ça avant que ce soit mangé. Alors, on en était où? Toujours sur nos murs. Est-ce qu'on va arriver à faire nos murs, au moins extérieurs, avant la fin de cet épisode? Allez, hop. Allez. Oh, pourquoi tu as mis des patates ici? Hein? Pourquoi tu as mis des patates ici? Voilà. Pourquoi il y a un acier là qui traîne? Ne me dis pas que j'ai coupé un câble électrique. Énergie, un câble. Ouais, j'ai coupé un câble électrique. J'ai coupé un câble électrique. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment j'ai fait. Et reconstruisez-moi ce câble électrique. Hop. Pas pourquoi il m'a ramené des patates ici. Alors. Ah non, pas détruire. Par contre, là, j'ai un drôle de pressentiment. Ah non, non, il m'a pas cassé. Non, ici, j'avais pas de câble. Je croyais qu'il m'avait cassé au niveau des câbles. Alors, hop. Fournisseur militaire, glace, t'es où? Viens commander. Hop. Alors, qu'est-ce que... Oh, fusil à pompe. Ah, casque d'armure autonome, non, c'est cher. Minigun, waouh.
Waouh. Médiocre, mais waouh. Il faudra quand même équiper les gens qui sont en arc. Ouais, écoutez, pour l'instant. Non, pour l'instant, c'est bon, on laisse. J'ai pas besoin d'armes pour l'instant. On verra quand on aura besoin. C'est vrai, est-ce que tout doucement là, les gens ils commencent à s'habiller? Il en manque toujours, hein. 1, 2, 3, 4, 5. 5 par cas. C'est vrai. Aptitude. Artisanat. Ah, tu grimpes hein, quand même. Hein. T'es expert renommé quand même. Hein. C'est bon ça. Et travaille un peu plus vite, s'il te plaît. Ici. Alors. Est-ce que là, par contre, je laisse en bois ou je les fais en pierre? Oh, et on fait tout le tour de la base. On va faire quand même. J'ai combien de pierres? 775. C'est bon. Le tailleur de pierre, il travaille toujours? Je sais même pas. Ça, c'était quoi? Sculptage? Non. Forgeron. Le tailleur de pierre. T'as fini ce que je t'avais? Non, non. Non, tu continues encore. Respirer. Il est toujours en train. Alors. Allez, ça aussi. Hop. Oula, là, j'ai peut-être fait un peu trop d'un coup, là. Bon, c'est pas grave. Ça va, il n'y a pas eu de catastrophe. L'acier. Vous m'avez ramassé tout l'acier qui est dans les mines. Pas partout encore, hein. Pas partout. On va donner des ordres un peu. Peut-être des mineurs encore qui peuvent miner. Voilà. Hop. Voilà. Ah, cette montagne, elle aura été bénéfique. Hein. Capsule de sauvetage! Alors moi j'ai envie de dire, je crois que c'est quand même le deuxième hein, que moi, ça me fera un colon grâce à la capsule de sauvetage. Hein. Jack il galère un peu, ouah, à côté du piège. Vladimir, toi tu viens d'où? Réfugié de l'espace mâle. Ouais, donc c'est pas d'une faction, donc c'est bon. Donc qui c'est qui peut aller me capturer? Pas secourir, tu me le captures. Et on va lui rallumer, on va lui mettre du chauffage quand même au petit... Et ensuite, voilà, non, voilà, et on leur remet du chauffage, et bien sûr, le prisonnier, alors Vladimir, le prisonnier, on lui donne des soins, et on tente le recrutement, hein. Alors attends, avant de tenter le recrutement. Waouh. Le prisonnier. Avant de tenter le recrutement, dialogue amical pour l'instant. Bah, allez, on regarde tout de suite. Aptitude tir, social 11, plantation, minage. Alors. Tir 6, 7, ok. Incapable de travaux. Ouais, je vois pas tout. Ah, déteste l'idée de prendre du plaisir avec les produits chimiques et évite l'alcool. C'est bien ça, quelqu'un qui boit pas. Et incapable de travaux ménagers, je pense. Toi, tu pourras pas. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on tente le recrutement. Attends, santé. Tes yeux sont bons. Pom 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 pom. Allez, prisonnier. Ah si, allez, tente le recrutement. Voilà. Et soignez-le quand même. Soignez-le. Alors, on n'est toujours pas. Ici.
Oh putain, voilà, le fait d'avoir fait ça m'a bousillé toute la récolte. Wow! J'aurais pas dû le faire tout de suite. Vous voyez, le fait d'être passé du coup en extérieur, ça m'a bousillé la récolte. Donc, ça craint un peu. Mais bon, c'est pas grave. Ils vont replanter, c'est pas grave. Allez. Ah, capsule cargo, j'ai pas vu. Alors, Théo, c'est quoi? Cuir de buffalo. Bah, allez, prenez. Prenez. Comment que les réserves? Bon, là c'est peu. Il nous faut un vendeur de produits exotiques. Il nous faut un vendeur de produits exotiques. Il faut se faire de l'argent. Il faut qu'on se fasse encore de l'argent. Ouais, il y a des particules. J'avais jamais fait gaffe ça que quand ils construisaient. Il y a des petites particules. Non, pas la porte. La porte, tu me la laisses. Hop. Et bientôt, bientôt. Bientôt au bout de faire nos murs, mais nous sommes aussi bientôt au bout de l'épisode. Donc, ce que je propose, c'est justement, donc, je ne vais pas donner d'ordre spécial, hein, je vais continuer, mais je vais juste continuer à faire mes murs extérieurs, hein, parce que là, ça fait quand même deux épisodes qu'on fait les murs extérieurs. Donc, je vais bien sûr essayer de ne pas m'échapper sur autre chose, vu que je veux juste faire les murs. Donc, je fais les murs et je reprendrai après avoir fini les murs et donc pour la prochaine vidéo. Alors, je vous dis à tous, bye bye tout le monde. Merci d'avoir suivi cet épisode et on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde. Oula, 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 oula. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Là, grosse connerie. Pas d'un coup, pas d'un coup. Voilà. Allez, bye bye tout le monde.